Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va parler d'épandage de fumier. Vous voyez là, il y a Alexandre qui est en train donc d'épandre le fumier dans ma parcelle. Je vais vous montrer un peu mes techniques. Alors pourquoi j'épand à cette époque-ci et dans un engrais vert et comment je traite mon fumier qui a la caractéristique d'être très pailleux. Allez, on regarde ça. Alors ici, ma technique et ma pratique est donc de semer l'engrais vert le plus vite possible après la récolte de blé. Donc cette année, ça a été donc fin juillet, je crois même. On a vraiment pu l'implanter très vite. Donc j'ai d'abord récupéré bien entendu la paille, étant donné que je ramasse toutes mes pailles. Ensuite, j'ai passé un coup de fissurateur et j'ai semé l'engrais vert donc avec le semoir de la Cuma. Et j'ai semé donc un mélange de petites graines et de grosses graines avec des crucifères, des graminées, mais aussi des légumineuses. Donc on a de la févrole, de la veste, du pois fourragé, du radis, de l'avoine. Voilà, il doit encore y avoir un peu de repousse de blé entre deux. Donc on a un couvert végétal qui a été fort développé et c'est vraiment mon objectif. J'aurais pu faire comme on le faisait précédemment, c'est-à-dire attendre que tout simplement les engrais verts soient, tout simplement que le fumier soit épandu avant de semer l'engrais vert, mais je n'aurais pas cette végétation d'engrais vert, je n'aurais pas récupéré d'azote de l'air, j'allais dire, grâce à la févrole par exemple, qui est plutôt pas mal développé. Je vous rappelle que je suis dans le nord de la France, donc on n'a pas l'habitude de voir voilà, ce type de développement. On a du pois aussi à côté, vous voyez, qui est pas mal développé et qui va encore grandir et profiter de l'humidité. Et c'était vraiment mon objectif. Alors, j'épands le fumier dessus. Alors certes, ça va laisser quelques traces et un peu de dégâts. Hein. Ici, on peut voir par exemple qu'il y a une grosse quantité de fumier qui est pendue. Mais pour autant, la végétation va reprendre un petit peu en dessous. Par expérience, je le sais. Et pour autant, j'aurai tout au moins, de toute façon, une végétation qui aurait été plus développée en ayant atteint ce stade-là que ce que j'aurais pu avoir si j'avais attendu, épandu le fumier avant de semer. Et donc, j'aurais forcément un développement végétatif beaucoup plus important. Donc moi, j'ai intérêt à faire ceci et je l'ai adopté depuis quelques temps pour obtenir un engrais vert qui est vraiment fort développé. Alors, comme on peut le voir, c'est un fumier qui est vraiment très pailleux. Alors qui pose problème un peu à épandre. Alors on est obligé de tasser un petit peu de temps en temps pour pouvoir l'aider donc à s'incorporer correctement et à se mettre dans l'épandeur. Voilà, donc là il va tasser un petit peu tout simplement pour pouvoir le faire glisser sur le tapis. Là j'ai passé une fois donc. Je vais faire attention de ne pas me faire écraser quand même. Donc là, j'ai passé une fois le retourneur d'andin afin de le décomposer. Hein. C'est un fumier de cheval donc qui est très pailleux. Et j'aurais dû, je pense, le laisser maturer un petit peu plus. Bon, pour autant, il est présent et je pense qu'on va l'épandre. Voilà. Donc là, il a quand même été un peu décomposé. Par rapport à ce qu'on avait avant, c'est quand même beaucoup mieux. Mais pour autant, c'est pas forcément l'idéal au niveau travail, quoi. Alors on peut voir que pour l'épandage, on est obligé de serrer assez fortement les passages, étant donné que je mets un gros volume. Ce n'est pas forcément un poids élevé, mais un gros volume de fumier, étant donné qu'un épandeur plein doit peser au maximum 3 à 4 tonnes. On arrive à, j'allais dire, 5 tonnes quand il est bien décomposé, mais ce qui n'est pas forcément le cas ici. Et donc, on a pas mal de passages. Voilà qui se répète, mais l'objectif étant de recroiser au mieux afin d'obtenir une répartition la plus égale possible, même si c'est relativement compliqué avec ce type de produit, quoi. Surtout comme aujourd'hui on a pas mal de vent, pour autant bon, il est bien orienté, mais on essaie d'avoir la meilleure répartition possible pour ne pas avoir de problème par la suite, étant donné que les cultures, la culture qui va se trouver ici va être donc de la pomme de terre et de l'autre côté on va avoir de la carotte, donc l'objectif étant de ne pas labourer si possible, mais ça je verrai bien, j'allais dire, en fonction du travail du sol qui a été fait, en fonction de, j'allais dire, d'une analyse et d'une vérification si le sol est bien adapté à un non-labour. Et s'il faut que je laboure, il n'y a pas de problème, je labourerai, j'allais dire, pour enfouir et puis détruire éventuellement ce couvert végétal. Alors ici, je me trouve dans la parcelle juste à côté.
qui était en même précédent, étant donné que c'était du blé, mais qui s'est développé un petit peu moins. On voit, j'ai eu des carottes précédemment ici, et à mon avis, il y a eu un petit souci de tassement. D'ailleurs, ça, je pense que je vais l'analyser bientôt, donc avec un... J'allais dire une coupe de sol, donc pour voir un peu ce que ça a donné. Mais j'ai un moins bon développement en général donc, de l'engrais vert. Et on voit qu'il est un peu plus faible. Voilà, et j'ai d'autres parcelles où les terres sont plus séchantes. Et là, c'est encore plus marqué. On a un développement qui est encore plus faible que celui-ci, quoi. Bon bah écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo, alors j'espère que vous avez appris une technique un peu différente que peut-être vous pouvez appliquer chez vous si vous voulez avoir des bons engrais verts. Et voilà, bah écoutez, en tout cas, si vous avez apprécié la vidéo sur l'épandage de fumier, n'hésitez pas à me mettre un j'aime, vous savez que j'aime bien le bleu, et puis à partager avec d'autres qui pourraient trouver ça intéressant. Allez, à la prochaine, salut !